Alors les vacances, la pétanque, tout ça, tranquille. Et oui, l'été tire à sa fin, septembre s'installe doucement, les bouchons reprennent vie. Mais ne soyez pas déprimés, la chronique sœur d'Emma revient elle aussi, le premier lundi de chaque mois sur Radio Éphémère, avec de l'aventure, de l'action, du sexe et des séries télé. Moins glamour tout de suite. Autant l'avouer d'entrée de jeu, j'ai déjà passé presque tous les morceaux qui vont suivre dans les précédentes chroniques. Et oui, la rentrée c'est dur pour tout le monde. Mais je vais profiter du déficit aigu de l'attention générée par la télé, internet et Fukushima sur le cerveau pour que ça passe inaperçu. Et c'est parti! La musique surf est composée d'une multitude de reprises. Je dirais une bonne moitié de la surf, c'est de la reprise. Et certains avec beaucoup d'humour et une bonne dose de second degré. Ils ont donc décidé de reprendre version surf des génériques de séries télé. Il y a aussi ceux qui sont sérieux et dont les morceaux ont servi comme générique pour des émissions radio comme le morceau Telstar de Joe Mick interprété par des Tornadoes. Il a été utilisé par France Inter pour l'émission Variété Dernière Heure de Roland Forez. Quel nom de merde pour une émission musicale, mais bon, on est au début des années 60, il faut pas trop en demander. Néanmoins, une émission rock'n'roll qui présentait des nouveautés comme Gene Vincent. Rien à voir avec les séries télé, je sais. Mais j'avais envie de caser ce morceau car je viens d'acheter le 45 tours et comme c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Vous reconnaissez, non? Hawaii Five-O, de la série Hawaii Five-O. Hawaii Police d'État en France. Ça, c'est carrément pas une reprise car c'est le morceau original des Ventures. Par contre, la série elle-même a été reprise version 2010. On appelle ça un remake dans le jargon. Et elle se nomme maintenant Hawaii Five-O. Original! Une version remasterisée au synthétiseur et à la guitare électrique orientée rock a été initialement prévue par les producteurs pour le générique. Cette version, que l'on écoute actuellement, a fait l'objet de critiques aux États-Unis, les internautes ne l'ayant pas acceptée ainsi, malgré sa rapide diffusion sur le web. Les producteurs ont alors considéré le changement effectué comme une erreur. Cela a néanmoins conduit au maintien de cette musique grâce à un petit dépoussiérage. Les producteurs en profitant pour réduire la durée de ce générique à 30 secondes, en version finale, quasiment identique à l'original, en plus rapide et raccourci. Trois des musiciens, des Ventures donc, ayant travaillé sur le générique original de Hawaii Police d'État en 1968, ont été sollicités pour travailler sur le générique de Hawaii Five-O. Personnellement, j'appelle cela « pédaler dans la semoule ». Aussi ça vous parle, c'est bien sûr le titre original de la série Amicalement Vôtre. Composé par le Britannique John Barry en 1971. Celui-ci est aussi connu pour des musiques de films comme Danse avec les loups et surtout pour avoir remanié le thème des James Bond. Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de films contemporains. Voici la version surf par les X-Ray Vision, ça déménage. We'll be right back.
va parier sur les tocards. Générique déjà surf à la base que j'adore. Pour une série que je n'adore plus. Je n'adore pas, bien sûr. Mais qui a fait un carton chez les teenagers des années 90. Buffy the Vampire Slayer. Composé par le groupe de Santa Barbara, comme le feuilleton de Papy. Nerf Herder qui qualifie son style de nerd rock. Surprenant, on trouve de la surf musique là où on ne s'y attend pas parfois. Morceau repris par les Hawaii Samurai dans leur album The Shape of Surf to Come, et voici leur version. Encore plus surf. Terminé, un inédit. Cela, vous ne l'avez ni entendu dans une précédente chronique, ni vu à la télé, sauf si vous étiez aux USA à la fin des années 50. Ce sont les Toulousains de The Taïkonauts qui nous l'ont déniché. Black Saddle, une série western dont le générique a été composé par Jerry Goldsmith. Encore un hyperactif de talent, car il a aussi fait la musique de Alien, Poltergeist, Gremlins, Total Recall, Basic Instinct et 3 Rambo. Et j'en passe. On écoute maintenant ce que les Taïkonauts en ont fait. J'adore. Moi j'en profite pour filer. Et on se retrouve donc le mois prochain, premier lundi du mois dans la matinale sur Radio Éphémère. Allez, ciao.
of recent scientific advances, it is now possible to realize an ancient dream, the exploration of outer space. Attention. This is a voice speaking to you from thousands.